Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org, à l'heure de Alter Sport, c'est Journal Sport, qui passe à 6h30, 10h30 dans le soir, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Grand titre d'actualité sportive là, sur le plan national, sport et société, rencontre entre l'actuel ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, Madame Niola Lynn Sarah Devalis Octavius et les responsables de fédérations et associations sportives. Football transfer, défenseur international haïtien Chris Callens, qui a évolué aux Pays-Bas dans vitesse anem, signé avec Angers qui fait remonter dans la Ligue 1 en France. Basketball 5 contre 5, coup d'envoi du tournoi Super 8 U20, week-end qui se passe à Caïfré Saint-Louis, dans Delma 33, victoire pour Fantastic et Power Vikings. À l'étranger, tennis tournoi de Wimbledon, bral déroulé à Nessa, 1er au 14 juillet, avec New Prize Money, 59 millions d'euros. Basketball NBA, Michael Bridges et vers les Knicks de New York. Football Copa America États-Unis 2024, Argentine qualifiée pour les quarts de finale après victoire 1-0 sur Chili, Canada bat Pérou 1-0. Euro 2024, terminé la phase de groupe, Suisse, Italie, Allemagne, Danemark samedi, Angleterre, Slovaquie, Espagne, Géorgie dimanche, France, Belgique, Portugal, Slovénie lundi, Roumanie, Pays-Bas, Autriche et Turquie mardi, c'est affiche. 8e de finale. Yo. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportif, là, d'abord sur le plan national, sport et société, nouvelle ministre jeunesse sport avec action civique, là, madame Niola Lynn Sarah Devalis Octavius, rencontrée jeudi mardi 25 juin, responsable fédération avec association sportive nationale, yo. Professeur Ralph Kernizan, président fédération haïtienne de tennis de table, qui était fait office de porte-parole, était présenté point clé qui était découlé de cahier de charge fédération, yo. Et ensuite, remettre officiellement à ministre, document complet qui est identifié par la majorité des fédérations. Beaucoup de parler, la ministre Niola Lynn Sarah Devalis Octavius, c'est souligné, important sport dans la société,
tout en priorisant l'harmonisation du ministère avec le secteur sportif. Dans ce sens, il était créé une commission ad hoc composée de 3 membres, dont 2 membres ministère et un représentant assemblée, à savoir le professeur Ralph Kernizan. Commission ça, il y a pour servir de liaison entre le ministère et les fédérations. On a noté que la présence du président du comité olympique haïtien, Dr. Hans Larsen, dans la réunion ça, nous connaît que le comité olympique, c'est lui qui coiffait toute fédération avec l'association sportive nationale. On a rappelé que la fédération nationale, dans une correspondance adressée à nouveau ministre, a élaboré un document qui gagne l'état des lieux, le cahier des charges et les priorités du secteur. Dans l'état des lieux, je parle de l'absence de cadre légal normatif, défis liés aux infrastructures sportives, problèmes structurels, le manque d'accompagnement de l'État, l'absence de vie associative et sportive réelle, la déperdition des talents sportifs, le manque de prise en charge des jeunes, l'effritement des valeurs, la délinquance juvénile et puis dans le cahier de charge là, je parlais de carence institutionnelle, défis financiers, rapport entre le ministère et la fédération, les infrastructures sportives avec appui logistique. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point de l'actualité sportive là, sur le plan national, football transfert laissé libre par Vitesse Arnhem en proie de graves problèmes financiers. Défenseur international haïtien Chris Carlin s'est engagé libre pour 3 ans avec Angers. Très actif depuis début mercato, promu Angers 21, il a risqué un nouveau recrutement. C'est latéral droit haïtien Chris Carlin, 27 ans. Grenadier lui sorti d'une saison pleine en termes de temps de jeu. Il disputait 30 matchs avec Vitesse Arnhem dans 25 titularisations. Il comptait 152 rencontres dans l'actif en Ligue 2 avec 3 et la Jouxer. Il ne peut jamais évoluer en Ligue 1. Ça va le faire qu'on y a en Ligue 1 en France. Né à Port-au-Prince le 28 juin 1996, bientôt 28 ans. Carlin Tarkus, au niveau international, a joué successivement à 3 de 2015 à 2016, à Lille de 2016 à 2017, au Cercle Bruges en Belgique de 2017 à 2018, à la Jouxer de 2018 à 2022. Et au Vitesse Arnhem, aux Pays-Bas, 2022 à 2024. Basketball pour nous clôturer l'actualité sportive là sur le plan national. Début du tournoi Super 8 U20, 5 contre 5. Week-end qui se passe à sous parquet, Institution Saint-Louis-de-Gonzague, l'Andelma 33. Victoire de fantastique 52 à 49 au dépens de Canapé vers United. Joueur du match, c'est Julien Mackinson, joueur fantastique, 12 points. Meilleur marqueur, c'est Simien Samy, 21 points. Le Canapé vers United dans l'autre match première journée. Pour les Vikings, les débarrassés de persévérance 70 à 38. Joueur du match, c'est Woodley Jean, 22 points du Power Vikings. À l'affiche ce dimanche 30 juin, toujours dans l'institution Saint-Louis Gonzague en Delma 33. À 10h30 le matin dimanche, Panthers face à Team Christois. Et puis à 11h30 du matin, Max Motivation face à Splash Brothers. Une petite pause. Là, nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Selon la Constitution 1987, la souveraineté nationale est en main de tous les citoyens et citoyennes. Pourtant, dans la société, les citoyens n'ont pas ramassé le pouvoir de gagner pour choisir et surveiller l'État. Pendant l'État lui-même, il a tendance à mettre sous côté dans la décision. Pendant ce temps, il y a une série de secteurs mauvaises intentions qui ont couru derrière les gens compétents et conséquents qui n'ont pas d'importance. Si nous continuons comme ça, l'État a fini de tourner un prisonnier et un petit groupe de monde. Il faut que nous fassions camper pour nous construire l'autre l'État. Il faut que nous prenions engagement pour faire les gens qui viennent diriger l'État avec une préparation, moralité et capacité pour respecter les règles de la démocratie. Qui donc, il faut que nous signions un contrat pour que les gens qui prennent pour diriger les citoyens un rapport sur toute action opposée et sur l'utilisation des ressources publiques.
groupe Action Francophone pour l'environnement, ensemble avec Alternative Haïti, Mouvement National Citoyen pour Climat, invite tout citoyen et citoyenne engagé dans la bataille pour faire tout le monde qui voulait diriger le pays, depuis Kazek, magistrat, il vient dans plus gros poste de responsabilité, signer contrat pour transition écologique et sociale là, avant de jouer un bulletin vote nous dans quelle qu'il en soit élection sérieuse qu'a faite dans le pays. Changer le système là, pas dérégler le climat. Nan mouman kriz ak mouman la troubla y sa peyi d'Ayiti ap viv la, malfekte ap profite fè swadizan informasyon si ki le pou ka mete l'esprit ou an boula tcha, ba ou stres, fè ou pe pou yo ka manipile ou. Citoyen, citoyenne, se pou rete veyatif, veye fò nouvel, veye dezenformasyon, mache sou pinga ou. Nou bezwen enfòmasyon verifiye pou nou konstrui demokrasi. Medya, jounalis, sitwayen, an kanpe goumen kont dezenfòmasyon. Se yon misaj proje konbit pou bonjan demokrasi ak sipò Organizasyon Internasyonal Francophoni ak Union Européenne. Mesaj sa pa angaje ni Union Européenne ni Organizasyon Internasyonal Francophoni. Me zanmi Dr. George, apam tande se kolera ki touye piye wo, te kwa mte tande maladi sa a te pase? Pase, Madame Jean. Non mache, apre kolera te fin disparèt pendant yon bon bout de temps, li retourne a fè dega ankòr. Mais comment pou nou barre kolera, Dr. George? Sa facile. De pou servi ak glo trete pou bwe epi manje, lave menyon ak glo ak savon, si tou le ou sot nan toalet ak avan ou manje, kolera pa jwenn nou wout pou rentre sou. La barre, bien barre. Eh bien, pa gen problème. Nou tout kon bagay sa yo deja. Konnen se youn, men eske nou fè yo? Bon, nou fè sa nou kapab. Se pa fè sa nou kapab, non? Yon sel green fwa kont pou kolera rentre sou. Konnen se youn, men se pou nou pran prekosyon toutan. Sonje, kolera reparet, se nou tout ki pou baril. Se te yon mesaj, MSPP ak patnen li yo. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Le monde de la communication vous intéresse? Vous rêvez d'un avenir meilleur? Vous voulez améliorer votre langage et votre capacité de communiquer? Le Centre de communication appliquée, Sénacom, est là pour vous accompagner. Le Sénacom est un choix intelligent en matière de communication, tout en s'axant sur l'audiovisuel. À Sénacom, nous avons les professeurs expérimentés dans le domaine. Une méthode adaptée à la réalité de l'heure, afin de former des professionnels pour une presse plus utile. Le Centre de communication appliquée Sénacom vous offre des cours en art oratoire, journalisme multimédia, journalisme sportif, communication française, animation et présentation radio-télé. À Sénacom, c'est surtout 80% pratique et 20% théorie. Le stage est garanti. Sénacom, c'est aussi des cours de vidéographie, photographie, montage vidéo, graphic design et technique de mise en onde. Sénacom se trouve au numéro 12, Rue Joule, Delma 33, à côté de CPM, local du Centre pédagogique Frères Unis. Les inscriptions sont en cours pour la nouvelle session. Contact 36 26 45 44 55 40 53 18. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Yo bro, t'es quoi dit dame ça que j'aime vivre ici dans ça. Bon, comment le fait en forme comme ça mine? Tout cas bro, elle est moins en forme vrai. Bah privé non papa. Pour qu'on soit pas capon. Chef. Bon, qu'est-ce ça on dit là? Ou pas informé? On monde qui gagne vivre ici là. C'est tant qu'on est porte maladie qu'on est qui? Tant qu'ou maladie que sick, tension. Et puis tout, les pi moun nan pye pran médicament, la mené vie familiale, aller l'école ak travail normalement oui. Crété Régine, comment fait comme toute bagay sa yo? Maman le docteur oui, crété, ou gen l'oublier. Et puis,
moi informé en pile sous sujet. Yon moun ki gen jèm sida, ki toujou bien pran médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka ba yon lot moun sida nan fè seks. Se te kouvi sa te disparèt nan san. Oh. Disparèt nan san même, ça veut dire li pa gen encore? Li toujou gen, mais grâce à médicament ARV, quantité virus qui nan sel vin tellement petit, test ak examen laboratoire pa même rive détecter. Mais faut que li toujou pren médicament ARV chaque jour et puis al refè test la chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis mon nan sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire en pile discrimination vraiment. Informé dans des timon. Yon ti kras VIH nan san égal zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. We got our secrets hidden inside our bones. Actualité sportive flan pour Kounia sous plan international football gas à un nul sans saveur face à l'Ukraine 0-0 mercredi à Stuttgart. Lors de troisième et dernière journée groupe à la Belgique, il prend deuxième place là et va affronter la France lundi en huitième de finale. Poursuivre et peu inspiré offensivement, la Belgique tenu en échec par l'Ukraine 0-0 comme un groupe de retrouvailles. Les Bleus va affronter les Diables Rouges en huitième de finale lundi à Düsseldorf dans un classique du football européen. Il y a donc une troisième confrontation en 6 ans entre les deux voisins dans un grand tournoi après les demi-finales de la Ligue des Nations 2021-3-2 et de la Coupe du Monde 2018-1-0, tous les deux remportés par l'équipe de France. Dans l'autre match, il y a la Slovaquie et la Roumanie au fin 0-1-1. Razvan Marin, 37e minute, dit répondre à l'ouverture du score de Andrzej Duda, 24e minute. Dans le groupe F, là, la Géorgie réussit un exploit contre le Portugal. Le mercredi, 2-0, déjà qualifié et assuré de la première place. Ce Portugais a déjoué face à une très belle équipe de Géorgie qui a besoin pour les gagner, pour les qualifier et arracher la troisième place du groupe. Et puis, victoire de la Turquie de 1 au dépens de la République tchèque. Victoire sur le fil à la dernière minute. La Turquie termine donc deuxième du groupe. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Euro 2024, toujours les qualifiés dans les différents groupes. En groupe A, c'est l'Allemagne et la Suisse. Et qui qualifié, on a pu rappeler le groupe B, qualifié, c'est l'Espagne et l'Italie. Le groupe CA qualifié, c'est l'Angleterre, Danemark avec Slovénie. Groupe D, les qualifiés, c'est Pays-Bas, France avec l'Autriche, qui finit premier dans le groupe ça. Le groupe EA qualifié, c'est la Roumanie, la Belgique avec la Slovaquie. Qualifié dans le groupe F, là, c'est le Portugal qui finit premier, la Turquie qui finit deuxième avec 6 points tout, et puis troisième qualifié, le groupe F, là, c'est Georgie. Alors, huitième de finale, à partir de ce samedi 29 juin à midi, Suisse a rencontré l'Italie. À 3h, toujours samedi 29 juin, Allemagne contre Danemark. Dimanche 30 juin, à midi, Angleterre a joué avec Slovaquie. Toujours dimanche 30 juin, mais à 3h l'après-midi, Espagne contre Georgie. Lundi 1er juillet, à midi, la France contre la Belgique, tête d'affiche de huitième de finale. À 3h PM, je n'ai lundi qui a 1er juillet, Portugal contre Slovénie. Et puis, mardi 2 juillet, c'est pour la fin 8e de finale. À midi, Roumanie contre Pays-Bas. Et puis, à 3h, l'Autriche contre la Turquie. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Kizi. Let's set the world on fire. Copa América. Con la mano para arriba, dale.
Soti l'an Euro 2024, n'a traversé la Copa América États-Unis 2024, championnat titre l'Argentine, li a poursuivre chemin li en Copa América, il est qualifié pour les quarts de finale mardi soir grâce à victoire 1-0 face au Chili au MetLife Stadium à East Rutherford dans le New Jersey. Les hommes de Lionel Scaloni ont largement dominé la rencontre, 22 tirs à 3, mais se sont révélés très imprécis. La frappe de Nahuel Molina a été repoussée par le vétéran Claudio Bravo, 41 ans, avant que ce dernier ne détourne le tir de Nico Gonzalez sur la transversale 60e minute. Les Chiliens avaient une occasion à saisir après le 0-0 face au Pérou samedi. Le tir de Rodrigo Echeverria a été stoppé par Emiliano Martinez en fin de match. C'est un autre Martinez, Lautaro, qui délivrait coéquipier Lyon son coup franc de Lionel Messi. Par ailleurs, touché au ischio jambier, il profitait d'un cafouillage pour lui reprendre de voler et le ballon et inscrire son second but dans la compétition à la 88e minute, score final 1-0 en faveur de l'Argentine. Synonyme de qualification pour les quarts de finale. Dans l'autre match groupe A, le Canada, qui était tombé en ouverture 2-0 devant l'Argentine, il a attrapé lui sous la chaleur du Children's Mercy Park. À Kansas City, le Libat, le Pérou 1-0. But de Jonathan David à la 74e minute, le Lillois, devenu premier buteur canadien dans la Copa América et il portait donc sa première victoire dans la compétition. La qualification va jouer pour les Canadiens lors du dernier match face au Chili, samedi soir à 8h, alors que l'Argentine va le mesurer lui avec Pérou la même l'heure. Humberto Pandjoy, arbitre assistant de la rencontre entre le Pérou et le Canada, il subit un malaise. En fin de première période, le Guatémaltèque était effondré. Soyez au bord de la pelouse, il s'est un temps remis sur pied, mais a dû évacuer. Et le stade sur civière dans le Tudien Mercy Park, la température s'élevait à un peu plus de 33 degrés Celsius avec un taux d'humidité de 53%. Alors, la situation dans différents groupes. Le groupe A, déjà joué, Argentine bat Canada première journée 2-0, Pérou Chili 0-0, deuxième journée. Canada bat Pérou 1-0, Argentine bat Chili 1-0, reste à jouer samedi 29 juin, 8h du soir. Canada-Chili, la même loya, Argentine face à Pérou. Classement, premier Argentine déjà qualifié pour les quarts de finale 6 points, deuxième Canada 3 points, Chili 1 point, Pérou 1 point. Groupe C, États-Unis, premier journée bat Bolivie 2-0, Uruguay bat Panama 3-1 ce jeudi 27 juin, 6h PM Panama États-Unis, 9h PM Uruguay face à Bolivie. Le groupe D, déjà joué. Colombie, première journée, bat Paraguay 2-1, 0-0 entre Brésil et Costa Rica. Ce vendredi 28 juin, 6h PM, Colombie-Costa Rica, 2h PM, Paraguay face au Brésil. Dernier ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs, tennis, tournoi Wimbledon, nombre à dérouler en essai, 1er au 14 juillet. Au All England Club à Wimbledon. C'est donc 137e édition. Pour cette édition, organisateurs vont distribuer un prize money record environ 59 millions d'euros. Les vainqueurs, messieurs et dames, vont approcher 3,2 millions d'euros, un record pour le tournoi. Le finaliste va le consoler avec 1,65 millions d'euros. Alors, détail, vainqueur dans le tournoi Wimbledon, il va toucher 3,2 millions d'euros et la caille, mesdames et la caille, messieurs, finaliste 1,65 millions, demi-finaliste 844 000 euros, ouvrant en quart de finale 443 000 euros, huitième de finale 227 000 euros, troisième tour 169 000 euros, deuxième tour 109 000 euros et puis premier tour 70 800 euros. Enfin, basketball NBA, Michael Bridges, libre à diriger vers les Knicks de New York dans le cadre d'un échange qui impliquait et Bohan Bogdanovic, mais tout et surtout quatre premiers tours de draft non protégés 2025, 2027, 2029, 2031. Bridges, 27 ans, il était joué à l'Université de Villanova de 2015 à 2018. Il passait plus de 4 saisons à Phoenix avant d'être échangé aux Nets de Brooklyn au milieu de la saison 2022-2023 en cas d'un accord avec Kevin Durant. Puis le champion, Kristaps Porzingis. Les papiers pour les tenir lors du tournoi olympique à Paris. Porzingis prévoit pour lui opérer la jambe gauche et pour lui retourner à Boston. C'est fixé la saison prochaine. Porzingis, 28 ans, il était victime d'une déchirure de rétimaculum médical qui entraînait une luxation
du tendon tibial postérieur lors du deuxième match de finale de la NBA. On a appris que Porzingis avec les Boston Celtics, c'est eux qui champion saison 1, ils ont gagné la finale sous équipe Dallas Mavericks. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous tout sport sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui était dominé actualité sportive sur le plan national sport et société rencontre entre l'actuel ministre de la Jeunesse des Sports et de l'Action Civique, Madame Niola Lynn Sarah Devalis Octavius, avec responsable fédération et association sportive. Football transfert, défenseur international haïtien Arcus Carlens qui t'a évolué aux Pays-Bas en vitesse anem, signé à Angers qui fait commenter la Ligue 1 en France. Basketball 5 contre 5, coup d'envoi du tournoi Super 8 U20, week-end qui se passe à Caifrey Saint-Louis Gonzague, Landelma 33, victoire pour Fantastic avec Power Vikings. À l'étranger, tennis en tournoi de Wimbledon, il va le dérouler à Nessa, premier au 14 juillet, avec un prize money 59 millions d'euros. Basketball NBA, Michael Bridges, Chavert, les Knicks de New York. Football Copa América États-Unis 2024, Argentine qualifiée pour quart de finale après victoire 1-0 sous Chili, Canada bat Pérou 1-0. Euro 2024, terminé la phase de groupe, Suisse, Italie, Allemagne, Danemark samedi, Angleterre, Slovaquie, Espagne, Georgie dimanche, France, Belgique, Portugal, Slovénie lundi, Roumanie, Pays-Bas, Autriche, Turquie, mardi, c'est affiche, 8e de finale. C'est sur notre salle que nous mettons en bout dans l'Altes pour les amis auditeurs. Merci en pile pour fidélité. Merci à collaborateurs nous. Jules Sandewa et Michel Pierre qui étaient en réalisation. Dans le micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 et Alter Radio.org. Édition Journal Sal, la bienvenue à podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur TuneIn, sur Zeno Radio, sur Spotify et Google Podcasts. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio. Mes amis, n'ap côté Alter Radio, c'est moi-même Lionel Bajan qui a besoin de ça et je suis un monde qui a besoin de qualité. Côté Alter Radio, côté le bien, n'a pas prendre un pile bagaille, n'a pas débrouillé votre tête nous et bien n'a pas changé de pays.
fait inné. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1 641 552 5130. En France et en Europe, 33 7 56 75 36 89. Au Brésil et en Amérique latine, 55 14 30 42 18 03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé mercredi les pays occidentaux de soutenir une offensive israélienne au Liban contre le Hezbollah, soutien du mouvement islamiste palestinien Hamas. Il semble qu'Israël, qui a dévasté Gaza, jette désormais son dévolu sur le Liban. Nous voyons que les puissances occidentales soutiennent Israël en coulisses, a déclaré le président turc devant les députés de son parti au Parlement. Les ministres de la Défense russe Andrei Belousov et américain Lloyd Austin ont évoqué la situation en Ukraine mardi 25 juin 2024 au cours d'une conversation téléphonique, a annoncé le ministère russe. Andrei Belousov a souligné le risque d'une nouvelle escalade de la situation liée à la fourniture d'armes américaines aux forces armées ukrainiennes, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le Pentagone a lui aussi fait état de cette conversation entre les deux hommes, la première depuis la nomination de Andrei Belousov en mai. Autre nouvelle, les 32 pays de l'OTAN ont nommé mercredi le premier ministre néerlandais Mark Rutte comme prochain secrétaire général à un moment crucial pour l'Alliance alors que la Russie poursuit sa guerre en Ukraine. Mark Rutte, 57 ans, prendra ses fonctions le 1er octobre en remplacement du Norvégien Jens Stoltenberg en poste depuis 10 ans. « Je sais que je laisserai l'OTAN entre de bonnes mains », a réagi ce dernier sur le réseau social X. « Mark est un vrai défenseur des relations transatlantiques, un dirigeant fort et un bâtisseur de consensus. » Sa nomination à part ailleurs a été immédiatement saluée par la présidence ukrainienne. « Votre leadership et votre attachement aux principes démocratiques sont cruciaux pour notre avenir commun », a écrit le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriy Lermak. Votre leadership et votre expérience seront cruciaux pour l'Alliance durant cette période difficile, a réagi de son côté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, appelant de ses voeux un renforcement du partenariat entre l'Union européenne et l'OTAN. Devenu premier ministre en 2010, Rutte devrait quitter ses fonctions le 2 juillet après la prestation de serment du nouveau gouvernement néerlandais prévu à cette date. Une des figures du mouvement de contestation anti-gouvernementale au Kenya a appelé à manifester à nouveau jeudi de manière pacifique en mémoire des victimes de la chaotique mobilisation de mardi qui a fait 22 morts selon l'organisme officiel de défense des droits de la personne. Après la journée de violence et de pillage dans la capitale Nairobi pendant laquelle le Parlement a voté le projet de budget dénoncé dans la rue, le président William Ruto a affiché mardi soir sa fermeté et a assuré que la violence et l'anarchie seraient fermement réprimées. Tout le pouvoir souverain appartient au peuple du Kenya. Vous ne pouvez pas tous nous tuer, a écrit mercredi matin la journaliste et militante Anifa Adan, figure de la contestation sur X, alors que le gouvernement a annoncé avoir déployé l'armée